ici au Père Hollande. Qu'est-ce que tu fous à l'Élysée? Bah, c'est Macron et toute ta bande. Et cassez-vous, vous nous fêtiez. Des raffineries sont en grève, les dépôts sont en grève et en barre, enfin aussi barrés, et où toutes les stations-service crient à la pénurie. Il est moment de montrer qu'à Strasbourg aussi, on peut faire une action et un blocage économique fort. En fait, le projet de loi travail qui ne nous convient pas. Et notre mouvement est suivi dans notre entreprise. Et qu'est-ce qui ne vous convient pas particulièrement? Tout en général. Ouais, tout? Tout en général. C'est vous avez regardé ou vous faites confiance aux appels de la CGT? Non, je ne fais pas confiance aux appels de la CGT, c'est aussi un petit peu mes propres opinions. Je voulais dire une nouvelle fois, toute la saloperie que témoigne au parti anti-socialiste. Et comment va prendre forme votre mobilisation? Donc là, vous êtes en grève dans votre usine. Voilà. Est-ce que vous allez manifester jusqu'à ce qu'il y ait un retrait? Comment voilà, ça se passe? Jusqu'à la fin. Et même si ça ne sera jamais retiré, ben on ne sera jamais d'accord. On lâche rien. Vous avez travaillé combien de temps dans la métallurgie? 44 ans. Et les conditions de travail, comment vous les décririez? Aujourd'hui? Ouais. Alors aujourd'hui, bon, je ne travaille plus, mais comme j'ai une permanence juridique le mercredi matin, je reçois des camarades qui travaillent toujours encore, et je constate donc que les conditions de travail ne se sont pas améliorées réellement ces 15 dernières années. Elles se sont plutôt dégradées, puisqu'il y a une plus grande pression sur les salariés, malgré les réductions d'horaires qu'il y a eu. Et je constate aussi un développement des maladies professionnelles et des accidents de travail. Yeah.